Privet! Let's go pour l'épisode 3 de notre aventure avec Sergei Vetrov. Vous kiffez de fou, hein? Les retours, ils sont positifs, mais genre là... That's unbelievable, man. Aujourd'hui, des grosses dingueries se préparent. J'ai tout vous raconter. J'ai vu des trucs à charper les refs. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Là, on va aller dans l'entreprise taxi déjà pour se faire embaucher en tant que taxi. Parce que oui, autant on est une bratva, autant on est des Russes, autant on est des mafieux, les refs, autant on a le droit aussi à avoir un métier stable. Ok? Ça fait partie du taf, les gars. Ça fait partie du taf. Allez, go. Ça part directement de ce pas. Putain, mais je te casse. Un jour, toi là, je te conduis. Vraiment, je te conduis, frère. Rien à foutre. Allez, go. Allez, hop. Open the garage. Open the door. On va prendre la bécane, hein. Et ça va. Voilà. Voilà, moi, j'aime le bruit de la moto. Attends, l'entreprise taxi, c'est où déjà? Juste pour savoir, déjà. Taxi, c'est là-bas, non? Downtown. Ouais, voilà. Non, les gars, il y a des grosses dingueries qui se préparent. Là, faut juste que j'aille avec le staff. Parce qu'en fait, du coup, j'ai un staff, les gars, qui va me set job IG, tu vois. Donc, en gros, ils vont me donner un travail in-game. Voilà. Vu que le patron n'est pas là, le patron de l'entreprise en question n'est pas là depuis un moment. Donc, nous, on va pas reprendre les taxis, on va juste être salarié. Parce qu'il faut évidemment être deux copatrons pour gérer une entreprise pareille. Hein, et du coup, rassembler du monde, etc. etc. Mais c'est pas la folie, franchement, t'es une dorga et tout, frérot, vas-y, flemme. Donc, en vrai, taxi, c'est cool parce que comme ça, tu vois, Sergei, il va pouvoir avoir un petit job, déposer les gens, discuter avec eux, prendre des infos et tout machin, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Et en même temps, du coup, aller après à côté faire son petit trafic de coke là avec ses potes et voilà quoi. T'as compris, je capte le délire, genre. Bon, là ce soir, par contre, ça va pas être Bagdad, hein. Y a 30 personnes de coup, les refs, pour un jeudi soir. À 21h, ça va quoi, c'est au calme. Ouais, je suis là, les taxis, frérot. Downtown Coke 2. Let's go, nous y voilà. Putain, mais y'a v'là les taxis, hein. En gros, les gars, ils ont, pendant que j'étais pas là, le groupe a acheté le point de vente de coke. Déjà, ça c'est dit. Donc, des grosses dingueries se préparent, vous le savez bien, hein, voilà, vous vous en doutez. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a Piotr qui nous a dit, on a uniquement besoin de feuilles de coca pour faire de la coke. La recette est la suivante. 2 feuilles de coca égale 2 coke pure. Ensuite, il suffit de la mettre dans des pochons et c'est prêt à être mangé. Les pochons sont à 1$ au Megamall. Du coup, on en a pris 3000 pour 3000 balles de pochons, bref. Ouais. La carte magnétique sert à fermer le labo, mais il y a un changement de température, bref. Il y a 3 zones pour la revente de drogue. Chaque zone, le prix est différent. Du coup, un prix faible, un prix moyen et un prix élevé. C'est ce qui est supposé être le truc de base. Et là, ce soir, du coup, il y aura du mandas. Je veux dire que moi, je suis en train de faire vite fait le taxi. Et puis, puis après, on va rejoindre les potes. Hein. Lundi, mardi, hier, aujourd'hui. Yo. Salut. Oula, t'es malade. Ouais, t'as, je préfère que tu viennes Discord parce que tout m'a touché, on m'entend déjà pas fort, alors... Vas-y, y'a pas de soucis. Que je te set job déjà pour commencer, on va déjà commencer par ça. Fais-moi un slash job pour voir ce que t'es. Ouais, je suis bien employé taxi, c'est bon. Bon, on a le set jobs taxi, les gars. Bon, vas-y, hein, on va débuter taxi, du coup. Hein. Je vais faire une petite annonce et tout. On va aller sur Birdie. On sort le petit véhicule. Let's go! Le taxi là, les refs! Hop. On a la tenue, on est prêt. Non, même pas, j'ai pas fait de tenue, les gars. Alors, travail. Show high major. Oh! Let's go! C'est incroyable! Ah ouais, on peut start et tout. NPC mission. Tu vois, je suis à 4$. Wesh, la dinguerie, les refs. Ah ouais, mais ça, en fait, j'utilise que quand j'ai. Merde, je suis un gueulin. Ok, on a déjà un client. Let's go. Attends, je vais chercher de la bouffe. Le parc-mètre, on va l'utiliser après. Le taxi est en ville, personne ne bouge. Yeah. Non, en vrai, la folie. Qui s'est dit un jour, on va faire taxi? Personne, frère. Je suis premier surpris, je vous le dis. Voilà, vraiment. J'aurais voulu, en vrai. Après, bon, voilà, j'aime bien. Hein, je dis pas, hein, le Vipad comme ça, il est cool. Mais vas-y, hein. J'aurais bien voulu un petit véhicule import, ça aurait été bien stylé, franchement, je vais pas vous mentir. Après, bon, vas-y, hein, on est taxi, ref. Bon, on a un gars à choper, commencez pas à partir sur des kidnappings et tout, machin. Fais voir ce qu'il est. Il est loin ou pas du tout? Frère, 2 bornes. Eh! Ok. Bon, j'espère que j'ai pas des trucs dans le nord et tout, frère, parce que voilà, faire le taxi. Après, c'est logique, hein. Si je dois privatiser les scènes avec le taxi, parce que je suis taxi. Y'a du monde ou quoi? Personne, les refs. Ouais, pardon, j'y vais chill. Eh, hey, ça va, hein. Frère, c'était vert. Commence pas à gueuler, toi. S'en fout ici, hein. Alors, si je passe ici, y'a pas l'air d'avoir de revendication. Je crois que le quartier a été abandonné. Abandonné! Ok, hein. Alors, on est plus qu'à 200 bornes. Let's go! Notre premier client, les gars! Ah là 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 là! Da, privet, madame! Bienvenue à Airline Russian Taxi! Da, où est-ce qu'on va? Da, pas porte à côté pour madame! C'est pas le dit! Alors, ça fait longtemps que vous êtes en ville! Pagnette! Da, d'accord! Da, vous êtes coiffeuse? Da, entre nous, vous en pensez quoi de mon brushing? Da, parce que bon, pour ma femme, c'est pas ça apparemment. On dirait que j'ai pris un parc-mètre dans la gueule. Mais on vous dire, elle aime pas trop ça. Da, d'accord! Da, comment? Vous avez gagné le prix de beauté canine? Da, c'est incroyable! 1000$ pour ça? Et ce concours, il est tous les ans ou? Da, d'accord! Bon, on n'est pas très loin, madame, hein. Tout va bien.
bien se passer. Je vous rassure parce que j'ai conduite assez excessive. Là, comprenez, quand j'ai vu Taxi 3, je vais devenir comme Daniel. Attends, sur le Pac-Med, c'est cher, hein. On a fait 1 km, 4 dollars. Tu vas me dévoiler de l'argent. On est bientôt arrivé, madame. Bienvenue dans une ruelle sombre et vraiment préquelle. Très étrange. D'un bisou. Elle m'a donné combien? Elle m'a donné de la thune, pas 320? J'ai l'impression qu'on me retire de l'argent, frère. C'est pas le truc qu'il faut faire. Là, par contre, la porte, c'est pas pour les animaux, hein. Faut la fermer. Da, vous aurez pu fermer la porte, madame. Da, faites genre, vous m'écoutez pas, c'est ça. Super. Il est où le pourboire d'ailleurs? Je croyais on est en Amérique. Rêve américain. C'est pas ça, hein. Faut arrêter de marcher dans le vide comme ça. Suka kurva. Da, da, c'est ça. Par, par. Ils sont fous, ces Américains. Eh hey. Oh vas-y, il a une Nissan, frérot. Mais non, c'est pour foutre le bordel, ça vaut pas la peine, monsieur, arrêtez. Bon, le gars a une Nissan, il est content. Moi, je crache pas dessus, frérot. Pas de problème. Oula. Ah, bah oui. Le début des problèmes. Une supérette. Je suis déçu parce qu'on aurait dû faire une flica. Et on l'a fait pas, les refs. Et ça, ça me déçoit. 300 bornes pour ça? Mais t'as la flemme, meuf, ou c'est quoi, là? Ah, da, c'est incroyable, hein. Y a plus de saison. Da, bon, tranquille, madame. Alors, du coup, vraiment, tu es 300 bonnes pour ça, hein. Enfin, 300 mètres. Da, vous, Américain, toujours la flemme. Incroyable. Da, madame, faut passer, hein. Da, arrête d'avoir le peul. Tranquille. Da, c'est là le prochain client. Da, je suis à balle aujourd'hui. Bon, si jamais, on va faire une petite photo. Hop. Histoire 2, tac. Donc il me faut ça. Belly, belly, belly. Faut qu'on fasse ça bien, les refs, hein. Faut qu'on fasse ça bien. Faut donner aux gens envie de venir. On fait taxi jusqu'à 23h. Hop. Vas-y, on est bon. Hein. Ensuite, birdie. Pour un service taxi hors pair, venez voir Sergei, votre ami russe. Vous fait 50% de réduc sur vos calls. Juste aujourd'hui. Et ferme les yeux sur ce qui peut se passer sur le bloc arrière. Appelez Sergei. Voilà, mon pote. On va voir si ça a attiré du monde ou pas. Bon, je viens de capter, j'ai donné mon numéro à n'importe qui là. Vraiment, je. 50% les refs. Et ouais, on fait déjà du chiffre d'affaires comme ça. Si ça appelle, y'a pas de soucis. Bon, maintenant, faut espérer qu'il y ait du monde, hein. Croise les doigts et puis voilà. Hein. Elle est incroyable, mon annonce, frère. Je kiffe trop. Bon, déjà, on a l'IF qui est là. On va l'appeler, hein. Mais putain, y'a personne qui est là, frère. Par contre, je viens de capter un truc. Je suis une escroquerie. J'ai pas le permis. Je me fais choper les refs, je suis dans une D, mais incroyable. Da, da, j'ai conduit, mais m'appelez pas Bendero, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi, c'est Pringles? Insultant. Tu m'insultes de Pepito, da, c'est ça? Bien, madame, nous parlons pour aventure. Accrochez-vous, ça fait mal. Comment se passe votre séjour en Amérique? Da, Los Santos, ville très chaleureuse, hein. J'ai vu, il y a réduction sur les iPhone 15 aujourd'hui. 70% à acheter, deuxième offert. Incroyable, les affaires sont les affaires, comme on dit. Da, gros business. Da, vous savez, madame, je n'ai pas le permis. Ce n'est pas grave, je sais conduire, c'est l'essentiel. Da, vous, Américain, comprendrez jamais. Franchement, endroit très bizarre. T'es atterri dans la forêt. Vous êtes Robin des Bois? Da, cachez-vous une identité secrète d'alias visage, madame? Peut-être c'est vous, Bendero? Ah, da, d'accord. Vous êtes. Vous faites du théâtre, d'accord. Da, je vous laisse ici. Spasiba, vraiment très gentil à vous. La porte, j'en ai mal, Américain, suis pas les règles. Bon, ça me donne de la thune ou pas, cette. Hein? C'est que 5 dollars, frère. Et je me fais que dalle. Après, tous les quarts d'heure, je me fais 250 balles. Ça va. Genre, c'est pas déconnant. Da, priviet. Da, priviet, tu fais quoi? Da, je suis un taximan aujourd'hui. Ok, tu es tout seul? Da, tout seul. Comme ça, tu es un taximan? Da, je travaille taxi maintenant. Tu fais quoi? Da, bah, en gros, je décèle des gens à droite à gauche, hein, ils font de la course et puis voilà. Da, mais tu desserres des citoyens? Da, citoyen ou concitoyen. Et tu fais combien de thunes, là? 250 dollars tous les caldels. Ok. Da, mais. Ouais, mais c'est risqué de faire ça, hein. Da, si jamais après, tu chopes les juste... mauvaises personnes. Niet, niet, c'est juste histoire d'arrondir les fins de mois et puis en plus de ça, tu sais, ça fait pas aller autour de tout le monde, tu vois. Tu peux pas aller avec les gens, je peux avoir des informations. Toujours non, mais ne dis jamais que tu es bras de vin ou si tu es russe, dis. Même si tu te fais. Même si tu te fais bolos, hein. Même si tu te fais menacer, hein. Da, si je me fais marave la gueule, c'est pas grave. Je dis, je suis rien du tout. Je suis juste un russe. Da, parfait. T'inquiète pas, je resterai neutre même dans mes propos. Même si on tire une balle dans la tête, bon, c'est pas grave. Da, ça dépend, là. Si tu as un gain sous la tempe, da, on peut peut-être réfléchir, mais voilà. Peut-être négocier. Da, da, bon, ça va, toi? Bah, c'est pas, hein. Là, y a personne. Donc non, ça va pas, mais... Bah, da, je suis d'accord avec toi, y'a personne. C'était libre, d'ailleurs, c'était libre. J'ai mis une annonce sur le... Baldi. Da, et j'ai mis annonce dessus, taxi, en disant « Da, moins 50% aujourd'hui sur vos calls ». Comme ça, les gens, ils viennent, on discute un peu. Tranquille, je vois s'il y a du monde ou pas, et puis voilà. Mais pour l'instant, pas réponse. C'est terrible, y'a personne. Da, je sais bien, y'a personne. Ouais. Vas-y, je vais me balader un peu en ville. Bah, au pire, tu veux venir avec moi, taxi? Oh, non. Pourquoi? Flemme, j'ai pas envie de faire ça.
Agnès, tu fais pas ça, je te balade juste tranquille, en attendant qu'il y ait du monde. Niet, là, je vais me balader moi-même, là. J'ai des choses à faire, enfin des choses à faire. Je vais aller voir un peu si je peux pas faire ATM ou ce genre de trucs. Ah, d'accord. Mais au pire, là, je finis, je fais un call de trois cool, c'est j'arrive, d'accord. Ah, da, ok, ça marche. Donc, au pire, je te rejoins Villa ou on se rejoint quelque part si tu veux. Bah, tu me diras, ouais, je on se rejoindra. Au pire, tu m'appelles et je viendrai te chercher. Davaï, ça marche. Bon, ben, à tout à l'heure. À toutes. Da, bisous. Vas-y, Dan. Très gentil. T'es ouf, oh, la gueule. Ah, mais Da, t'es prêtre. D'accord. Alors, ça fait quoi? Da, t'as pas une tête rassurante, hein. On va pas se mentir. Vraiment, tu me fais pas confiance, genre, moi non plus. Da, c'est pas grave, je t'en veux pas. Me fais pas de mal, monsieur. Commence à faire des dingueries, frérot. D'abord, par contre, il a une tête, frérot, il fait peur. On est monté à 10 dollars. 10 dollars. 13 dollars. Hein. Je suis à 13 dollars. 13 fucking dollars. Je veux de la thune. En soi, taxi, c'est pas compliqué, hein. Oh, ok. On se bouge? Non, mais oh. Attends, faut passer par là. Ouais. On est déjà à couper la route. Putain, vraiment, je suis débile, moi. Je vais me faire de la thune. Hey! Attends, mais il y a des dingueries, ref. Ce serveur, il est bugué de fou. Il m'a juste passé 18 billets, ce bâtard. On se fait pas de thune avec les taxis, hein. C'est terrible, hein. Faut de la communication, tu vois. Faut du... Force pour utiliser la carte, apparemment. Da, mais pour l'intérieur, je parle. Ils ont dû dire... Non, l'intérieur, c'est avec autre chose. Non. Ah! Oh, bordel, J'en ai marre. Je peux plus de citoyens, vraiment. Explique un petit truc vite fait. Ouais, j'étais fatigué, j'en avais marre, j'étais saoulé, cette soirée était catastrophique. En soi, elle débutait bien, vu que j'étais taxi. Je voulais débuter un boulot, et en plus de ça, on avait la coque. Quoi de mieux que de, évidemment, bah, jouer de l'RP et faire des trucs au maximum. Sauf que là, je suis tombé sur des relous. Et en plus de ça, c'est des gars qui jouent pas les scènes. J'ai attendu 3 heures dans une voiture avec mon pote pour essayer de dénicher une scène RP incroyable. Le truc, c'est que cette scène-là, bah, elle est jamais arrivée. Donc, c'est ça qui m'a un peu blasé. Mais bon, j'espère que cet épisode-là t'aura quand même plu. Et si c'est le cas, bah, tu me le dis en commentaire. J'en peux plus. Moi aussi, Alexei. C'est quoi? Laisse-moi ici. Je vais... Net, j'ai besoin de toi. Attends, je bois un bon petit Sprite, là. Roule-moi dessus. Vraiment, j'en peux plus. Y a rien qui va ce soir. 1h du mat, on a perdu 3h pour rien. Bordel. En vrai, on a rien fait. Je viens de capter. Je suis arrivé à 22h, il est 1h. Y a rien qui est fait. Oh, go, ça a récupéré ce qu'il fallait ou pas? Tout ce que je t'ai donné, tu l'as? J'ai pas fait gaffe. J'ai donné tous les trucs pour la coupe. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Oui. C'est pas faux d'avoir fait ça à côté des Los par contre. Hein. Et bien un jour ils vont nous voir passer, ils vont nous suivre. Hein. Je suis d'accord. Après, sans la carte d'accès, ils peuvent rien faire de toute façon. Regarde pas au parking, j'ai la flemme. Hein. On va juste tester, voir ça. Non, t'inquiète, je vais tester, je vais rentrer. Au pire, reste même toi à l'extérieur, y a pas de problème. Bah, disons que je vais le regarder aussi. Après, je vais repartir de l'autre, t'inquiète, juste je vais checker avec toi. Voir un peu la gueule que c'est. Hein. La gueule de gauche. Hein. Hein. Mais t'inquiète, c'est une voiture de merde. Pousse-toi. C'est parfait. C'est toi qui as fait le bruit? C'est quoi la dinguerie là? Il s'est passé quoi? Attends, tu peux pas regarder la grosse... Da? Dis-moi. Bah là, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais je peux faire. Attends, pousse-toi. Là, faut que tu vises. C'est un peu bizarre, mais faut que tu vises le bouchon. Eh ben super, nickel. Ce qui est bien, c'est que t'as le gun en faisant ça, c'est pas le fait. Da, donc il faut compteur. Mais compteur, il est pas en bas, genre. Da, je confirme, il y a que toi qui as les clés. Moi, je peux rien faire. Là, pas le fait de la coupe. Tu veux en faire avec moi, là, ou pas? Bah, Da, si tu veux. Non, ça va, mais si on en fait que 25, c'est bon. Tu as vu, on peut regarder à travers fenêtre, hein. Da. Ça, c'est problématique. Du coup, personne à l'extérieur. 25 fois comme ça là. Oh, c'est chiant, il n'y a pas d'endroit pour bouchon. Ouais. Vas-y, sors. Bravo. Très bien. En vrai, c'est même mieux qu'avant. Parce que là, on a trois portes d'accès. Par en bas. Si jamais c'est la merde, moi j'ouvre en haut et si les mecs à nous nous rejoignent par en haut. En vrai, c'est vraiment bien. Par contre, c'est compliqué à attaquer. Hein. Enfin, c'est pas compliqué à attaquer, on va dire que c'est plutôt compliqué à défendre. Surtout ça. Bah, disons que le point de vue, faudrait qu'il y ait une troisième personne qui check en fait. Faut qu'il y ait une personne dehors tout le temps. Putain, 1h14, j'ai perdu ma soirée à attendre. Bon, en tout cas, c'est bien, on a pris cette info là. C'est terrible. Ah, j'ai détesté ça. Ça rattrape la soirée un peu nulle. Ouais, on a perdu du temps quand même. Hein. C'est rien passé après, quoi. Ça me saoule. Je pense que demain, avec Piotr, dans l'après-midi, on va faire plein de pochons. Et voilà. Vas-y, mets-moi tout dans la boîte à gants, je vais m'en occuper. Tu vas, bah, vas-y, bah, tu t'en vas, là.
Ouais, je vais y aller, je pense. Ok, bon, oublie pas de poser l'arme et les balles, du coup. Ouais, ça marche. Bah attends, en plus, je les donne. Enfin, je vais mettre dans le coffre et... Vas-y. J'ai allongé le truc. Hein. Da, bisous, à demain. Da. T'es là demain ou pas? Demain, niet. Bah, la prochaine. Ça marche, bisous. Je sais pas ce qu'il veut, frère. On va les couilles de toi, cousin. Tu veux, frère, casse pas les couilles, je vais dormir. Ah, commence pas à faire chier. Stressé. Mais pourquoi tu stresses? Niet, je vais dormir là. T'es fou toi? Il m'a dormi. Je vais dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ah. Oh putain, il m'a tué. Ouais, ça va, monsieur? Lève-toi. Monte dans le taxi. Allez, dans le taxi, tout le monde. Prends-lui son téléphone. Ah. Donne-moi tes affaires là. Il y a un mec, il a filmé de là-bas, je sais pas ce qu'il y a à côté, mais. Et qui a filmé là? Il y a un mec là, je sais pas. C'est quoi à côté du LS? J'en ai marre. Mais je pense que c'est le goût. Si, c'est le goût. Mais ça, merde. Je pense que c'était à côté du goût. Attends, t'es qui toi dans le véhicule là? Comment ça, Julien? Et tu me dis quelque chose. Sergei, ça dit quelque chose? Sergei. Sergei, du coup? Ça a une connotation russe. Ouais, ça vient d'où? Russine. Russe? T'es russe, vas-y, descends. Vas-y, viens. Ah ouais, il est pas mal, ton pétard. Con lui ou quoi, il va? Ah putain, que ça s'ouvre pas. Je sais même pas. Bon, Sergei, dirais directement pourquoi t'es là. Ouais, d'ailleurs. Tu me dois $1. Désolé, juste pour ça? Ouais. $3. Ouais. $3, d'accord. $3, ouais, $1 par chacun, ouais. Ok, ouais, tiens, voilà, $3. Les gars, attendez, je vous donne les $3 à la maison, ça va? Vas-y. Vas-y, on te laisse le taxi, vas-y. On te laisse le taxi, va-toi. Vas-y, la bise. Oui. J'en ai marre, frère. Ah, j'ai pas la tête à savoir, à comprendre, je suis fatigué. On débranche.